Yo tout le monde, c'est le 138, attendez, juste une seconde, voilà, je sais pas s'il y aura eu un petit coup de grésillement au niveau du micro. J'espère que vous allez bien, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo en jeu d'armes, une partie assez sympathique que je viens à l'instant de réaliser. Sympathique parce qu'elle était serrée comparée à des moments où, en tout cas dans les anciens Call of, c'est la première fois que je fais une vidéo en jeu d'armes si je me rends compte. Mais c'est vrai que dans les anciens Call of, en général, soit vous gagnez de beaucoup, soit vous perdez de beaucoup. Et là, je trouvais que c'était assez sympa. Enfin, c'était rare, en tout cas, les parties très serrées. Et ça a pas été carré sur le coup, et c'est plutôt pas mal, on va dire. Donc, bah, déjà, alors, tout simplement, je m'excuse encore une fois. Je sais que j'ai l'impression que je me répète tout le temps dans mes vidéos. À ce niveau-là, c'est que je sais, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Là, je vais en sortir deux assez rapidement. Là, on est lundi, au moment où j'enregistre la vidéo, je pense qu'elle sera en ligne justement lundi. Ou au plus tard, en tout cas, elle sera disponible mardi. Je compte faire vraiment un mercredi live cette fois, parce que j'ai annoncé le retour. Il faut savoir que tous les mercredis j'ai eu énormément de choses à faire. J'étais en période rouge au niveau de mes examens, si vous voulez. En gros, j'ai vraiment eu j'ai eu une semaine entière d'examen il y a 2 semaines. La semaine dernière, un projet oral à faire qui était assez prise de tête aussi. Donc, faut savoir que j'ai eu un peu de choses à faire. Donc, je m'en excuse à ce niveau-là. Je reprends les vidéos, je reprends beaucoup sur du Call of. Là, ça, par contre, ça, je peux vous assurer que ça va être beaucoup, beaucoup de Call of. FIFA peut-être, Dying Light peut-être. On verra comment ça va s'organiser. Pour moi en tout cas, j'ai pas encore d'idée en tout cas de ce que je vais faire. Je pense que je vais essayer de reprendre vraiment comme à l'ancienne, vraiment reprendre mes mercredis live, mes défis, tenter de remporter le meilleur général avec telle arme. J'ai pas encore testé, donc ça je vais peut-être m'y mettre justement juste après, parce qu'en plus faut savoir que j'ai pas fait non plus énormément de meilleur général, donc ça peut être sympa. La RX, non, vraiment que je galère. Comme vous avez pu voir, je crois que je gagnais la partie avant de prendre la RX, et là je reviens à perdre. Il y a beaucoup de rebondissements comme ça où je vais être premier, un autre va me rattraper. Et on va souvent se passer devant l'un et l'autre. C'est ça qui a fait aussi que la partie était assez sympa. Genre là, on est revenu à égalité, le mec vient de me passer devant. Il vient de mettre 2 kills d'avance. Donc voilà, c'était assez sympa. Franchement, j'ai bien aimé cette partie. En plus, pour une première partie, si là ça a été coupé au montage, mais juste avant, c'est vraiment la première partie, je viens de lancer le jeu, donc c'était assez cool. Je me vante absolument pas de mon score ou quoi que ce soit, parce qu'en plus on est en jeu d'armes déjà, mais c'est vrai que ça fait plaisir de faire un peu de jeu d'armes, et c'était assez sympa justement. Je voulais vous proposer un petit jeu d'armes, parce que je trouvais que ça faisait longtemps, puis j'avais pas trop d'idées au niveau des modes de jeu à présenter. Donc je me suis dit que ça pouvait être assez sympa. Après, au niveau du reste, de toute façon, j'ai pas non plus énormément d'autres choses à proposer. Les DNA, si un jour j'arrive à en faire, peut-être que ça sera dans mes vidéos. Pour moi, en tout cas, j'ai pas ça de prévu. Est-ce que je vous ferai peut-être des vidéos? Alors, pardon, je vais y arriver. J'avais parlé de faire des vidéos sur League of Legends. Faut savoir que je suis en train d'essayer de regarder. Enfin, sur League of Legends, même des jeux PC, par exemple, j'ai Dead Island, Riptide, j'ai. Comment ça s'appelle? J'avais Titan Quest, un très très vieux jeu, mais qui me plaît énormément et qui peut être sympa aussi à proposer. Mais je pense que du coup, ça va être un peu compliqué. On va voir. Mais enfin, pour Titan Quest, hein, je parle parce que c'est un vieux jeu et tout, donc je sais pas si ça vous intéresserait. Je sais que je pourrais vous faire une petite vidéo dessus, mais le problème, justement, donc c'est là où je voulais en arriver. C'est que mon logiciel de capture d'écran prend énormément de place. Ce qui fait que j'avais récupéré une partie, je crois, de 30-35 minutes sur LoL, donc sur League of Legends en ARAM. Bon, c'était quand même 35 minutes, hein, c'est quand même assez gros pour une ARAM. Mais ça m'a pris 36 Go. Donc 36 Go, je sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte. Moi, 36 Go, faut savoir que mes vidéos que j'upload font, allez, au plus grand maximum 6 Go. Quand je mets la qualité vraiment au max, c'est-à-dire qu'en gros les vidéos sont vraiment de très très courtes, enfin de très très petite qualité, très peu, très petite durée pardon, mais de grosse qualité, du coup je fais en sorte que les deux soient bien variés. Par contre, bah voilà, ce qui fait que du coup, enfin c'est 36 Go, je sais pas si ça fait quand même 7 fois la taille des fichiers de base. Une vidéo normale, ça peut me prendre jusqu'à 500-700 minutes, donc ça fait quand même 10 heures. Vous ajoutez ça, le Doom, ça pourrait me prendre 3 jours juste pour vous uploader une vidéo. Vous allez avoir un gros galérien en snipe. C'est vrai, quand on reprend Call of, c'est un peu compliqué des fois de reprendre tous les automatismes. Mais le snipe en l'occurrence était assez compliqué. Vous allez voir, le pire c'est l'Atlas, que j'ai vraiment galéré. J'ai du bol que le mec bougeait pas, je crois. Mais voilà. Bon, après, bah, j'espère.
J'espère réussir à trouver à trouver très vite un arrangement pour faire en sorte que la qualité soit vraiment au rendez-vous. Enfin, la qualité et surtout la durée d'upload, parce que vraiment, je pourrais pas vous uploader des vidéos de LOL si c'est vraiment aussi long. Donc, je vais essayer de trouver un nouveau logiciel de montage. Donc, un logiciel de capture d'écran, parce que le logiciel de montage, ça, j'en ai déjà un. Donc, si j'arrive à trouver un logiciel de capture d'écran assez efficace et qui prennent pas énormément de place, ça serait parfait. Je vais essayer de trouver ça. Je vais voir avec des potes aussi s'ils ont des logiciels de montage. Et je pourrais après, du coup, je pourrais vous proposer des vidéos de LOL. Faut savoir que c'est un jeu quand même que je joue assez régulièrement. Je joue très souvent à Call of. Ça, je pense que sur ma chaîne, ça peut déjà se voir. Et aussi, donc, beaucoup de LOL, et ça se voit beaucoup moins. Et c'est aussi ça qui fait que des fois aussi je propose moins de vidéos, parce que des fois je suis vraiment à fond sur LOL, mais le problème c'est que je peux pas vous faire de vidéos dessus. Du coup, quand on est vraiment à fond sur. Le petit suicide. Quand vous êtes vraiment à fond dans un jeu, et vraiment, enfin LOL, je suis vraiment à fond dessus. Mon seul véritable problème c'est que du coup je pouvais pas. Est-ce que le mec était juste derrière moi, on s'est croisé? Mais c'est que du coup, ouais, LOL, c'est je peux vraiment pas me permettre de proposer. Enfin, je peux tout simplement pas proposer de vidéos dessus, donc ça c'est assez dérangeant. Mais c'est pourtant ça qui me prend très 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 beaucoup de temps entre ça et Call of, ça c'est dommage. Donc là, un peu de chance au niveau du collage que le mec vienne juste devant moi. Donc voilà, la vidéo se finit là-dessus. J'ai encore 30 secondes pour parler. Donc voilà, j'espère déjà que vous avoir tenu au courant de mon actualité, pourquoi j'étais beaucoup inactif. Et que justement je comptais justement reprendre assez rapidement. Et rien que dans la semaine, vous proposer deux, voire peut-être trois vidéos, on verra. Sur ce, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura au moins plu, que ce qui est important c'était plus la parole que la vidéo. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde et à la prochaine. Tchuss!